بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد شيخ خيسيون إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تغاديب الله رب العالمين سلوكي الحمد لله بيانكو قد نو فيفان نو بيتموي لموا مبارك Les mois qui remplissent avec bénédiction, les mois qui remplissent avec barakat, les mois de Ramadan. Pour nous continuer nos explications, la gravité et réalité des bid'ahs dans le dîn à l'islam. Alors, cet après-midi, dans nos sessions numéro 20, toujours concernant réponse à un faux argument qui est Ahlul Bid'ah, vous êtes amené pour justifier Bid'ah Hassana. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, nous pouvons. Mentionne argument numéro 6, 7 et 8 et votre réponse, Inch'Allah ta'ala, à la lumière du Coran et la sunna authentique de Rasulullah alayhi salatu wassalam et corrige la malinterprétation de certaines preuves, de certains événements qui Ahlul Bidah ont servi pour justifier votre Bidah Hassana. Alors, argument numéro 6 qui va fin avancer, c'est ben Sahaba fin compile Coran. Copie Coran, je fin compile li après la mort de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Alors, li fin vin dans sa forme là. Alors, li fin vin dans sa forme là. Commencez par Surah Al-Fatiha. Et les fin termine avec cela un nas dans sa façon. Alors ça c'est un parmi les arguments qu'ils ont fin amené. Alors je dis ça montrer qu'une bonne innovation est possible, un bida hasana est possible. Alors un parmi ban là je dis à ce moment c'est qu'il dit ça Coran là qui nous lie, ça Coran qui nous lie là dans l'époque Rasulullah il est pas comme ça. Dans l'époque de Rasulullah il n'a pas dit comme ça. L'Ela écrit un volume Coran. Un bida dans l'époque Rasulullah Patiena. Bida Hassana. Et ça, bida là, il a intensifié dans l'époque de Hazrat et Osman. Il y a 7 copies. Ça aussi, bida Patiena. Nous tous, Azoudi, nous apprécions sa bida. Ça, c'est. Parole les N parmi van qui servi compilation du Coran en découverture dans sa façon là pour justifier Bida Hassana. Comme réponse, numéro 1 nous dire compilation du Coran, compiler. Nous tous comprenons qu'il veut dire le verbe compiler, rassembler, compiler. Alors, du Coran, c'est une action. Qui, malheureusement, vous voyez là, il y a ce source depuis le Coran et le hadith de Rasulullah alayhi salatu wassalam, et alors, il n'y a pas un bida. Alors, le Coran incite vers la compilation du Coran, enseigne la compilation du Coran, hadith aussi enseigne la compilation du Coran, mais c'est ma façon de compiler là, les différents. Alors, l'origine de la compilation du Coran, et n'a ce source depuis Coran et Hadith. Alors, ce n'est pas une bida. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 75, verset numéro 17, « Inna alayna jam'ahu wa Qur'anahu. » Certainement, sa Coran là, sa compilation et sa lecture, l'ilo nous responsabilité. Quand Allah subhanahu wa ta'ala puis prend la responsabilité pour compiler le Coran dans le cœur du prophète alayhi salatu wassalam, ça prouve nous que le Coran, c'est une chose à compiler. Et là, du monde compile dans ce lequel pour mémoriser. Et une autre façon qui vient compiler, pour ban qui pas mémoriser, vient compiler en découverture le ban papier. Et les prophètes, quand Allah, donc, quand Allah vient prendre la responsabilité pour compiler le Coran dans lequel de Rasulullah alayhi salatu wassalam, ça prouve nous que le Coran, c'est une chose à compiler. Rasulullah alayhi salatu wassalam dit pas craignant de moi dans le hadith qui trouve dans Musnad Imam Ahmed il dit pas craignant de moi apporte Coran pas craignant de moi
apporte Coran. Ça, au commencement, ça. Avant qu'il y ait la permissibilité pour commencer à écrire Hadith. Clair? Pas compile de moi, pas écrire non rien de moi. Apporte Coran. C'est lui qui finit écrire une autre parole de moi. Apporte Coran qui l'efface lui. Pour pas mélanger entre Coran et Hadith. Au commencement de l'islam, parce qu'il y en a un groupe ici qui servit ça, sa parole-là pour dire que Hadith peut se passer dans l'islam. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit Hadith. Là, tu as empêché pour ne pas mélanger Coran et Hadith. Pour faire la différence entre Coran et Hadith, les prophètes, ils donnent permissibilité juste pour compiler le Coran, pour écrire le Coran et non plus Hadith. Au commencement de l'islam. Après, il y a Ibn Omar, radiallahu anhuma, il dit, ça dit Hadith-là, il dit, nous tu peux être empêché pour voyager avec Coran jusqu'à la terre des mains de l'ennemi. C'est-à-dire, prends Coran, ça et Coran, aller dans la terre des mains de l'ennemi. Attention, qui va l'ennemi, je prends ça et arrive en quelque chose et ça perdit. Alors, ça dit Hadith là, et les autres ben, Hadith encore montrent-nous qui, dans l'époque du prophète, ben Sahaba, tu peux écrire Coran, tu peux compiler Coran. Et alors, ce compilation Coran est dans ce source. Il n'est pas un bid'a, s'il vous plaît. Il n'est pas un bid'a hasana, s'il vous plaît. Simplement, qui différencie là? Pas tu compiles dans un seul volume dans l'époque du prophète pour des raisons. Dans un seul volume comme ça. Dans un seul volume comme ça. Pas tu compiles pour des raisons. C'est moi qui tu peux compiler. Tu peux compiler, tu peux écrire, tu peux garder. Le rose, l'eau du bois, l'eau papier, etc. Alors, tu peux compiler. Mais seulement, dans sa façon-là, en découverture, tout en seule place, clair, pas tu compiler pour des raisons qui font, numéro 1, Coran, tu peux descendre en des autres. Dans ce qui gagne quoi? Sur la Fatiha, descendre. Jusqu'à voilà, Dalin. Ensuite, Alif Lamim, Baqara, descendre. Jusqu'à ce dernier ayat. Lela, Imran, Ali Imran, Nisan, Nisa, Maïda, Araf, Yunus, jusqu'à Nas. Non, Coran ne descend comme ça. Coran fin descend en des autres. Coran fin descend en des autres. Le premier verset qui descend trouve dans le dernier juz. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Alors, Coran, tu peux descendre en des autres et l'ipati encore descend au complet. Alors, ce qui peut descendre, tu peux écrire, tu peux garder, tu peux compiler. Tu as une possibilité qui certaines ayats abrosées et fin arrive là. À cause ça, tu compiles dans sa lode qu'il y était là, parce qu'il y a encore la période des révélations, et tu peux descendre en des autres, et dans l'ayat, tu peux descendre, tu peux abroger ça. Tu as l'abroger et l'abrogeant. Alors, pour ça, des raisons-là, pas tu compiles de la façon qu'il y était actuellement, mais tu peux compiler. C'est le Kholislam Ibn Taymiyyah, il dit, écrire le Coran ni mashrou. Créant? Mais dans l'époque du prophète, pas tu compiles dans un seul mushaf, ça s'appelle un mushaf. Un copie Coran, appelle ça Mushaf. Pas tu compiles dans un seul volume, comme une référence, parce qu'il. Pas tu compiles dans un seul Mushaf, parce qu'il a descente du Coran, pas tu encore complété, et tu as la possibilité qu'il y ait un ayat abrogé après qu'il ait fini d'être révélé. Ça, c'est parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou Fatawa. Réponse numéro 3. Ensuite, dans l'époque du prophète, pas tu n'as aucune nécessité pour compiler le Coran. Dans sa l'autre qui était là, ou dans sa l'autre qui était aujourd'hui là, pas tu n'as sa nécessité là, qui fait dans un seul volume, qui fait comme une référence, parce qu'il n'y a pas de qui s'en là. Il a besoin d'un ayat Coran. Ou soit il peut besoin de réviser au Hiv. Peu importe, il tient simplement pour référer à 24 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Donc pas tu n'as nécessité là. Numéro 4, réponse numéro 4 à sa argument là. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une nécessité qui était inexistante dans l'époque du prophète fin surgir, fin apparaître. Et alors, ben sahaba fin réagir selon sa nécessité là, tout en prenant compte pour pas contredire Coran et Sunna. Créant, qui sa nécessité là ça? Finena une nécessité. Finena une raison d'être. Finena. Un quelque chose, un événement qui finit arriver, qui nous vise à compiler maintenant dans un lot spécifique, dans une façon spécifique. Clair? Mais l'origine de la compilation, est là? Oui. L'origine, est là? Coran, il prouve. Hadith, il prouve. Clair?
Mais nécessité qu'on puisse lire dans sa lode là maintenant en D. Couverture tout là, une seule place. Alors, il y a une nécessité, une raison. Qui sa nécessité là ça? Omar ibn al-Khattab peut dire à Abu Bakr, radiallahu anhu, comme elle est mentionnée dans Sahih Bukhari. Il dit à Abu Bakr, le meurtre d'Ibn Qari Qur'an fin augmenter les jours des Yamama dans la guerre des Yamama. Il y a beaucoup de Qari Qur'an parmi les Sahaba qui perdit la vie dans la guerre. Il dit à mon père, Omar peut dire à Abu Bakr, radiallahu anhu, mon père, ô Abu Bakr, qui si le meurtre d'Ibn Qari Qur'an augmentait au fur et à mesure qu'il y a mal la guerre, alors, beaucoup, et même les jours de Yamama, beaucoup ne finissent. Et les jours de Yamama, même, il peut adresser à Abu Bakr, il dit, mon père, si continue, la guerre continue, Ibn Qari continue, mon père, qui beaucoup Qur'an capable d'aller. Parce que la mémorisation, la compilation, c'est dans l'estomac de Ibn Sahaba, de Ibn Qari Qur'an, de Ibn Hafiz Qur'an. Alors, si continue, l'amour de Ibn Sahaba, de Ibn Qari Qur'an, dans la guerre de Yamama, mon père, avec l'amour de Ibn Sahaba, de Ibn Sahaba qui mémorise Qur'an là, Qur'an aussi pour aller ensemble, alors, je me trouvais qu'il y a besoin d'audon pour compiler le Qur'an plus vite qu'il est capable. Nous compilons le, nous fait écrire le, dans un load, d'une façon, nous garder. Donc, quand il y a une nécessité, il y a besoin de réagir, mais qui nécessité fin choisir pour qu'ils autres inventent tel bida, la réponse est zéro nécessité. Là, pour compiler le Coran, il y a une nécessité dans sa façon là. Dans sa façon d'un seul volume, il y a une nécessité. Claire, tu peux compiler sur l'origine, tu l'as. Il n'y a pas de temps à l'autre là. Ça, que Sahaba, tu as un tigit côté là. Mais les bons Sahaba qui peuvent mémoriser le Coran ou s'attirer le Coran, ils commencent mot dans la guerre de Yamama. Omar finja à Abu Bakr finit la nécessité maintenant. Beaucoup, ban qari Qur'an, pe mot, tant que Qur'an, allez, alors nous compilons. Alors finit la nécessité, une raison. Mais toi, tu ban bida ton inventé. Pour qui nécessité? Pour qui raison? Tu manques ibadat dans din Allah. Pas tu n'as assez ibadat. Tu ne finis pratique tout ibadat. Pas peut connaître comment vous rapprochez avec din Allah encore. Alors, amène nécessité là, amène raison là. Pas finit là, aucune nécessité. Alors, ça c'est. Réponse, numéro 2. Donc, quand nous guettons la compilation du Coran, nous trouvons qu'il y a une raison à l'oublier. La compilation du Coran dans un volume, dans sa façon-là. Quant à Bida, dans toutes ces formes qu'il existait, parole, action et conception, et dans toute façon, qu'il y a une fabrique, qu'il y a une invente. Alors, quant à Bida, il n'y a aucune raison à l'oublier des lits qui justifient son existence. Sorry. Réponse numéro 5 à cet argument-là. En vérité, une compilation du Coran, c'est simplement un moyen qui dirige nous vers un objectif qui est associé dans le Coran. C'est un moyen qui dirige nous vers préserve le Coran qui est associé dans le Coran et le Hadith. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun » Certainement, nous finissons faire le rappel des saints, Coran, et c'est nous qui vous préservons. Quant à Ban Bida Hassana, qui est finamené dans Dine Allah, il n'y a pas un moyen qui dirige nous vers un objectif, qui est associé dans Coran et Hadith. Il n'y a pas un moyen qui dirige nous vers un objectif, qui est associé dans Coran et Hadith. Réponse numéro 6. Est-ce qu'ils nous ont droit de comprendre n'importe qui s'en a avec Abu Bakr et Omar, quand nous connaissons très bien qu'il est prophète fin dire attrape Mosunna. Quand il y a divergence, attrape Mosunna. Et Sunna des ban Khalifa bien guidé qui pour la voie droite. Quand Omar peut dire ça, Abu Bakr, radiallahu anhuma. Les prophètes peuvent dire, attrape Mosunna et surtout des sakats là. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. La conversation entre Abu Bakr et Omar. Omar peut dire, tu connais Abu Bakr dans toute situation là, dans la guerre de Yamama, comme Qari Finmo. Alors, si tu veux comporter avec Banla, Banla, de toute façon de faire, ils font partie de l'islam, basant les paroles de Rasulullah, alayhi as-salatu wassalam. Alors, c'est mauvais de dire, trappe mon sunnah et sunnah des Ban Khalifa, bien guidé, qui pour la voie droite. Ça, c'est prédiction de Rasulullah avant les morts. Il prédit qu'il s'accate là, surtout, pour la voie droite. Crampon avec eux
et mode les faux avec les dents. Mais qui m'a peut capable de servir ça événement-là, compilation Coran dans l'époque des Abou Bakr, de façon qu'il compilé pour justifier Obida Hassan. Il peine à sa place. Il peine à sa place. Alors, à réponse numéro 7, comment est-ce qu'il nous capable de comparer compilation du Coran avec n'importe qui bida quand nous nous connaissons très bien qu'il finit en ijma le sakitsouza. Consensus devant le Sahaba. Consensus de l'Umma, la compilation Coran. Comment nous comparons Bida Hassana avec ijma de Ban Sahaba et Ban Ulama de l'Islam? Réponse numéro 8. Dis bon à faire ressortir. Qui, au commencement, Abou Bakr, tu hésitais pour compiler le Coran et lui dire. Quand sa proposition-là finit à dire, il hésitait et lui finit dire. Comment est-ce qu'il est capable de faire une petite chose qui le messager d'Allah pas fin faire? Il veut dire ça à Omar. Comment tu es capable de faire une petite chose qui ne pouvait pas fin faire? Sa parole-là montre nous clairement qu'Abou Bakr pas d'accord avec Bida Hassan. Hein? Sinon, il n'y a pas tu peux hésiter du tout et tu peux dire, Karian, c'est un bon bidat. Ensuite, quand Abou Bakr finit réaliser qu'il compilation du Coran, il n'a rien à faire avec Bida, il finit d'accord avec sa idée-là. Et réponse, numéro 9, même si certaines finissent considérer la compilation du Coran comme un Bida, nous bien connaît qui ça. Les plutôt un bida dans le langage et non plus dans la charia. Qui nous expliqué hier. L'imam al-Zahabi dit, ce qui font partie de bida dans la langue, c'est compilation mushaf. Allah fait ouvrir la poitrine de Omar pour faire ça. Et aussi Zayd ibn Thabit et Abou Bakr et ensuite Othman ibn Affan. Parole du prophète alayhi salatu wassalam, tout bida c'est les gamins. L'Ipa peut faire allusion à tout ce qui dans la langue. Nous appelons li en bida. Moré dire, l'imam al-Zahabi dire, ce qui font partie des bida dans la langue, c'est compilation mushaf. Allah fin ouvert la poitrine de Omar pour faire ça. Et aussi Zayd ibn Thabit et Abu Bakr radiallahu anhuma et ensuite Othman. Parole du prophète, Kullu bid'atin dalala, les papes fait allusion à tout ce qui dans la langue, hein, bida côté langue. Nous appelons en bida. Dans la façon, on appelle en bida. Je vais faire allusion à bida côté la langue et non plus allusion à bida côté charia. Parole du prophète, quand il dit Kullu bid'atin dalala, c'est bida dans charia. Argument numéro 7 qui va nous faire amener. Je dis, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, ben, ulama fin compile ce ben hadith dans livre. Imam Bukhari, Imam Malik, dans Muwatta, Imam Ahmad, dans Musnad, Imam Bukhari, Muslim, Shafi, etc. Si je dis que c'est un bon quelque chose, alors c'est une bonne innovation qu'on appelle Bida Hassana. Réponse, numéro 1. Et une seule réponse pour ça. Écrire hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas une Bida. Compilation, hadith du prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas une bida, s'il vous plaît, parce que tu peux déjà compiler depuis l'époque de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Tu peux déjà compiler depuis l'époque de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Au commencement, il t'est interdit pour pas mélanger le Coran avec lui, comme on dit à l'heure là. Ensuite, quand il commence, quand il différencie le Coran et le hadith, finalement, la compilation finit de commencer dans l'époque de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wassalam dit, dans Sahih Bukhari, Oktubou li Abi Fulan, écrire ce qui me dit pour le père de Intel. Parce qu'il demande pour écrire, pour compiler pour lui. Alors, les prophètes, ils donnent l'ordre, écrire pour lui ce qui me dit. Abode ba Abu Huraira, radiallahu anhu, li dit, dans le hadith qui tourne à Bukhari, pas une personne parmi mes compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui plique un hadith du messager d'Allah qui moi, excepté Abdullah ibn Amr. Parce qu'il est typé écrire et moi pas typé écrire moi. Il est typé écrire, c'est qu'il est mauvais, typé dire, typé compiler. Moi, moi pas typé écrire, moi typé compiler. Donc, ça a aussi lui tombé comme argument. Argument numéro 8 et dernier argument pour cet après-midi qui va finir avancé. Je dis dans l'époque de Rasulullah, alayhi salatu wassalam,
ci nan sel avan pou jumaa. Jusqu'à quand les bruits montent au mimbar, muadhin débouté donne azan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muadhin donne azan. Tu n'as dit ça azan. Azan, quand les prophètes montent le mimbar. Ensuite, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, il finit introduire un deuxième azan. Si vous êtes d'accord que Uthman finit bien faire, alors c'est une bonne innovation qui appelle Bida Hassana. Ça, argument là, ça. Je n'attrape façon de faire du calife bien guidé, le troisième calife de l'islam, The Norain, la personne qui unique le latin qui finit marié avec un seul prophète se détifie. C'est un connu comme The Norain. Ruqayya et Zainab. Ruqayya et Mukulthum. Des filles de Rasulullah. Je ne prends action. Il fait une faire, il fait une ajoute un deuxième azan vendredi, qu'on prend pour justifier Bida Hassana. Alors je dis, amène un seul hadith, vient prouver que sa première azan qui donne, sa deuxième qui donne en premier là, deuxième azan qui Othman il a ajouté là, qui donnait en premier, créa, elle est qui vient avant, elle est là, azan qui est mauvais, tu as petit donné, qui donnait à 12h30, qui moi vient donner au Jum'a. Est-ce que ça t'y existait dans l'époque de Rasulullah? Oui, pas existé. Pas existé. Ça, c'est un argument, ça. Oui, nous dit pas existé. Ok. Un autre dire. Il y a un autre bida qui nous tout fait à l'Isan là. Argument là comme ça, hein. Il y a un autre bida qui nous tout fait à l'Isan là. C'est Hazrat Othman qui fait une faire sa bida Hassan là. Attention là. Puis à qui sahaba de Rasulullah, ben qui, ben la même, tu peux se dépiler. Grammatère, tantôt, tu peux dire, kullu bidatin dwalala. Tout bidat, c'est les gamins. Peut dire, par une écoute, il y a ça, pour dire que Hazrat et Othman, ils ajoutent bidat dans din bidat hasana. Créant? Alors, il y a un autre bidat, qui nous tout fait à ça, là. C'est Hazrat Othman qui fait faire sa bidat hasana, là. Il fait amène un troisième azan. Troisième, il a raison, troisième. L'effet qui? Azan du prophète, c'est numéro un. Ikamat qui donnait avant, salat, numéro deux. Et troisième là, c'est que Othman finit amené. D'une façon, il a dit qu'il finit deuxième sans considérer Iqama, donc dit homme deuxième. Et d'une façon, il considère comme troisième l'effet qui tient à Azan du prophète, le Mimbar, Iqama avant Solat. Et troisième, c'est que Othman finit introduire. Mais c'est ma troisième là, dernier là, donne en premier. Là, donne premier là, en deuxième. Et troisième là, il reste troisième même. Iqama. Clair? Alors, d'une façon là, il met troisième. Alors, Salana peut dire. Sa troisième azan là, est-ce qu'il n'a pas le bida hasana, Othman il finit comme réponse. Il y a des réponses à sa argument là. Réponse numéro un. Nous pas gagner droit qu'on prend n'importe qui s'en là avec Othman the Norain qui a aussi peu honte avec lui. Toi tu pas honte pour dire il fait bida hasana. Allahu Akbar. Les prophètes disent comment moi pas honte avec un djimoun qui a aussi honte avec lui. Ah, si bien honte avec lui. Othman ibn Affan, ça n'a pas l'air de honte. Pour acquis Othman ibn Affan, il fait bida hasana dans din Allah. Quand c'est même Othman, radiallahu anhu, pas d'accord avec bida. Ça même un sahaba qui veut dire tout bida dans les gamins. Ya Allah. Alors, est-ce qu'il est capable de comporter avec Othman ibn Affan? Othman il fait, mais nous aussi nous sommes capables d'inventer. Othman il fait, radiallahu anhu. Radiallahu anhu. Alors, je pense qu'il y a un parmi les quatre khalifas de Rasulullah, sans en oublier. Qui Rasulullah, oh, donne-nous pour suivre cette sunnah. C'est à tous ces quatre-là. Et, Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, quand il réfute Man Rafida, qui n'acquise Ousmane de toutes sortes d'accusations, qui ça même dit qu'il amène ça à Guimala, il prise Man Rafida. Il fait éloge de Man Rafida qui n'acquise Othman de toutes sortes d'accusations. Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, quand défend Othman ibn Affan dans ce livre, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya, il dit il y a ijma de l'umma. Ça adhan que Othman il a introduit dans Din Allah, c'est un sunnah. Parce que c'est sunnah tout le khalafa al-Rashidin. Ça, c'est parole de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah. C'est lui qui défend Othman contre Man Rafida.
Et c'est lui qui dit à sa argument que Othman, une fois bida hasana, l'île au mimba, l'île dégoûté, l'île fait éloge devant Rafida. Et celui qui nzou Othman, nzou ban sahaba. Les mots en bas là-haut. Alors, comme réponse, nous disons pas comporte-toi avec Othman ibn Affan. Radiallahu anhu. Othman, c'est le troisième calife de l'islam. Et un hadith clair. Quand les prêtres peuvent dire, après moi, je vous trouve divergence. Et un premier man du monde, Paris, comment toi, finalement, ça va divergence là? Alors, quand nous trouvons, amène ça va une qualité divergence là, nous galopons tranquille, nous trappe façon d'effet de Othman ibn Affan, tranquille. Nous prenons le safe side. Nous prenons le on the safe side. Alors, ce n'est pas comporte-toi avec Othman ibn Affan, parce qu'il est un parmi les quatre califes guidés. Il est le troisième de ces quatre-là. Et, cette façon de faire dans Dîn Allah, c'est Dîn Allah, c'est Sunnah de Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Réponse Imorodé. Raison pour laquelle Othman t'y introduit à sa Havane-là, qui donne en premier. Maurice Denis, midi 30. Dans beaucoup de place. Midi 30 Denis. Raison pour laquelle Othman t'y introduit à sa Havane-là, c'était pour une nécessité qui pas t'y existait dans l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, sa nécessité-là, fin surgir, fin apparaître, fin bizarre réagir selon sa nécessité-là. Pareil, comment nous fin dire, pour la compilation du Coran, c'est la nécessité qui fin vient en existence, qui part existait en l'époque de Rasulullah. Mais l'origine est là, l'origine est là. Alors, fin est la nécessité. Rapporté par l'imam Zuhri, il dit, quand fin arrive, khilafa de Othman, fin en a beaucoup d'imoun. La population fin augmenter. Ben, d'imoun fin commence éparpillé dans la ville de Medina. Qu'est-ce et je te la casse si loin de Masjid. Pas tiens un micro, Bajan. Pas tiens à vous parler. Clair? Alors, quand Bandimoun fin commence éparpillé, la ville de Medina fin commence grandir. Je te la casse, fin éloigné. Alors, Othman fin ordonne pour donner un deuxième avant, ou Jum'a, l'on se la casse dans bazar. L'Othman se la casse qui se trouve dans bazar de Medina. Qui t'appelle? Zawra. Fin donne sa avant là, l'Azawra, avant qu'il y sorti, avant qu'Othman sorti pour venir masjid, il donne sa avant là. Pour qui, ben, du monde connaît qu'il fin arrive l'air Jum'a. Ça fin reste comme ça même, sans qu'il ben, du monde critique lui, eh ben, sahaba qui t'y présent dans sa époque là. Personne pas ne lève les doigts, dit Othman, t'en introduire dans Dîn Allah. T'en introduire dans Dîn Allah. T'en fais bida hasana. Malgré qu'il m'en a critiqué quand il fait salat au complet sans casse à Mina. Malgré qu'il est dans Mina, il m'en a critiqué. Il fait salat sans casse. Il est complet de salat malgré qu'il est prouvé qu'il fait casse. Malgré ça, ici, je ne pas de critique. Alors, Othman ibn Affan, un événement qui est rapporté dans Sahih Bukhari. Othman, pas qu'il a introduit à sa adhana comme un moyen surplus pour rapprocher nous avec Allah. Ali, tu comprends, radiallahu anhu, tu comprends qu'Othman fin fait ça pour une nécessité, clair? Alors, c'est une raison. Othman, pas introduit sa azana, comme un moyen surplus pour rapprocher avec Allah. Ça, c'est parce qu'Ali, pas tu peux faire donne plus qu'un azan à Koufa pendant ce khilafa. Le khilafa d'Ali, tu veux donner un seul azan, pas tu n'as dit. Donc, Ali, tu comprends qu'Othman fin fait ça pour une nécessité, qui fait une surgir dans Medina et qui sa nécessité là pas enali dans Koufa. Pas enali dans Koufa. Claire? Alors, personne pas fin d'y aller dans pour un moment donné. Et, hadith de Rasulullah, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin, il suffit, comme un rouleau compressé, pour mettre tout cet argument plat. Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, il y a des qui le dit. Rahimahullah ta'ala. Abdul Qadir al-Jilani dit concernant Adhan. Des Nourain, Othman ibn Affan, qui t'y a introduit, il dit, as a measure to promote the public interest. Comme une mesure pour promouvoir l'intérêt public. C'est-à-dire, personne n'a pas fini de considérer comme une bida hasana. Au contraire, comme on a fini de dire dans Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya, que le Cheikh al-Islam, il refit ban Rafida, qui vient acquise le quatre califes de l'islam, apporte Ali, les trois califes de l'islam. Et beaucoup de sahaba, de toutes sortes d'accusations, un parmi, ben, accusations qui ben, Rafida, tu mets le Othman, ibn Affan, c'est lui qui a introduit bida dans Dîn. Tant qu'on dit bida hasana, c'est lui, ben, on dit bida carrément. Quand Cheikh Oulissam finit de défendre Cheikh, Othman, ibn Affan, pour prouver qu'il est fin, c'est qu'il est fin introduit dans Dîn Allah.
Sa deuxième adhan là, qui donne en premier, c'est pas bida et non plus bida hasana. Au contraire, il y a ijma de l'umma qui c'est sunna, al-khulafa ar-rashidin, qui tombe dans sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, mon frère, ça c'est réponse à trois arguments en cours. Aujourd'hui, Inch'Allah, demain nous retrouvons à la même heure pour réponse à les autres fausses arguments qui ahlul bida fin servi. Et avant de terminer, vous rappelez tout ce principe-là, toute preuve qui ahlul bida a mené, rôde sa réponse là-dedans même ou pour gagner. Toute preuve qui ahlul bida servi pour justifier les autres légalement, alors dans le chapitre bida, on a même mis comme un principe fondamental, prends sa même preuve-là, viens les compte ou pour trouver sa réponse là-dedans. Assiser, étudier, méditer, au bout de réponse pour Ahlul Bida dans toute bonne preuve qu'ils ont servi pour justifier les grammes. Alors, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.